Alors. Bonjour à tous, ici Tonton Arthéon qui se réinstalle depuis la Finlande, incroyable, en direct de chez Pen. T'as vu, je le fais bien quand même, hein. Mais je suis fatigué, c'est pour ça aussi. Je le fais vachement moins bien. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, les amis, hein, ce petit live sur. Ça s'appelle comment déjà? Roudy et Mastico. Là, je vais juste fermer ma gueule et profiter de la cinématique parce que je la connais pas, j'ai envie de savoir un petit peu ce qui se passe dans cet univers. Jack, mets la porte! Ah, sinon après ça fait vraiment, effectivement j'ai fait 3 heures de sommeil depuis cette nuit. J'ai pas encore dormi et je suis fatigué. Tiens, viens ici toi. Je viens te chercher. Toi aussi Ambre. Mais ça, tu en auras besoin. Il vient pour toi. Tu vas t'attirer des ennuis en faisant ça. Je l'ai maintenant. Ça a bien changé. Il faut y aller. On fait quoi les autres détenus? On peut pas les laisser là. Déjà libre. Hoffman a tout pardonné. C'est vrai. Te revoilà dans les rangs, soldat. Bordel. Bordel de merde. Allons-y. Bon, écoutez, je pense que ça y est. Oh putain, les transmités, c'est tout petit. On va en chier de ouf, quoi. Alors, ça donne quoi si je fais ça? Testons un petit peu les trucs. Hop, je peux voir Marcus ici présent, très bien, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a sur le côté? Qu'est-ce que c'est que ce... Ah! Je pense que le monsieur a eu des problèmes aux toilettes. Une petite gastro de type explosif, en général, ça finit plutôt mal. Quoi. Je pense que. Ouais, putain, du coup, c'est tout petit l'écran splitté comme ça. Ah, bah l'écran splitté sur un petit écran, ah, bah, et. Écoute, on va se débrouiller, il se passe des choses. Il se passe des trucs. Quoi. Mais du coup, je regarde la cinématique. Alors, en fait, ce qui est marrant, c'est que le jeu, en fait, je remarque. Ouais. Que. On a le choix. On peut retourner par les quartiers. Je crois que j'ai dash, alors du coup, ça lance cette cinématique. On peut aussi passer par les cellules, mais ça va chauffer. Tu préfères quoi? Alors, c'est, je t'assure, moi je suis hyper fan en fait, on va se combattre. Comment ça, on va se combattre? En fait, tu peux choisir le truc. En fait, moi, les Gears of War, je suis ultra fan. Je suis pas qu'un petit peu fan, je suis ultra fan. Alors qu'est-ce qui fait que t'es ultra fan du jeu comme ça? En fait, c'est l'ambiance hyper nanar où les mecs sont tellement bourrins qu'ils en peuvent plus, quoi. C'est le Steven Seagal en puissance. Ah non, non, mais ils sont totalement fous, quoi. Alors moi j'inverse l'axe Y. Je suis super fan de Broforce alors. Ouais, mais là vraiment il y a une ambiance, il y a un truc. Après moi j'inverse plus. À l'époque je jouais en inversé, maintenant je joue plus. Et là t'es inversé là encore? Non, je suis pas inversé, non, là c'est parfait. Moi je suis. D'accord, donc en fait, tu as jamais joué à ce jeu là? Je n'y ai pas joué. Donc t'as un bouton de zoom qui permet de viser tout le temps. Non, c'est lequel? Ouais, c'est celui-là, j'imagine. Le bouton A te permet de te coller au mur en fait. Tu cliques sur A. Alors en mode je peux me coller. Ouais. Ah oui, genre si tu t'approches, tu vas voir la truc. Je fais ça, je me mets. Et après, t'es collé, voilà. D'accord. Et après, tu peux passer d'une couverture à l'autre. Et si tu restes appuyé sur A alors que tu te balades, tu cours. Très bien. Et si tu double-cliques sur A dans une direction ou l'autre, tu fais une roulade. Voilà. Donc le but, c'est de te. La base du gameplay, c'est de rester à couvert et de sortir un peu ta tête, clac, clac, clac. Envoyer 2-3 balles. Voilà, et tu te recaches, etc. Très bien. Bon, jusque-là, c'est pas. Si tu veux savoir où aller, t'appuies sur Y. Ouais. Sur Y. Ah, ça donne la direction, sans déconner? Ça me montre soit toi, soit moi. Très bien. Et donc B, c'est le coup de corps à corps. Et pour tirer, j'imagine que c'est la gâchette classiquement. C'est la gâchette. C'est la gâchette. Et là, c'est bon. Pour l'instant, là, okay, bah, pour changer d'arme, c'est les petits trucs. Alors, putain, c'est quoi ça? Il se passe des trucs. Donc là, on est sur la version remake, hein, version Xbox One du premier Gears of War. De testicules. Attends, je vais voir s'il a un zizi. Il a pas de. Merde, je peux pas zoomer sur le zizi. Non, il a pas de zizi. C'est nul! Le jeu est pourri, hein. Ah bah c'est The Forest. Donc ça c'est le remake de la 1. Ouais, ça c'est le... Ah non, mais oui, parce que le 1... En fait, non, mais ils ont vraiment refait les textures et tout. Hein. Ouais, c'est plutôt pas mal, les jeux. Le jeu est juste sorti, pas cher. La commande en tout. Par contre, fais gaffe, il y a des monstres qui arrivent. Donc là, tu te fous. Donc voilà, donc la base du gameplay, hein, c'est tu te fous à couvert. Et tu restes appuyé, sinon t'es mieux. Voilà. Non, non, tu restes pas appuyé sur A. Non, non, une fois que t'appuies, voilà. Et après tu tires, tu vises la tête. Voilà. Et après quand tu recharges, tu cliques là. C'était pour recharger. Voilà. Et après tu recliques quand c'est dans le blanc pour charger plus vite. Une recharge instant un petit peu comme. Ouais. Et tu peux la foirer. Ouais. Sur Battlefront. Et du coup ça s'enraye si tu la foires. Donc oui, non, mais là c'est un remake, c'est pas une version remaster, les amis. Hein. Parce que quand Sony vend du remaster, c'est juste en 1080p, alors que là les textures et les modèles sont différents de la version officielle. Donc j'ai rien. Je trouve que c'est pas mal. Je veux que je retire l'overlay, mais pourquoi? Ça me choque pas du tout, là, pour le coup. Alors par contre, ce que je vais faire, juste. Vas-y, bah, bute-les. Je suis tellement habitué au FPS français. Sur PC souris, quoi. Clavier souris, que là. On va agrandir le truc, tac. Non, j'ai pas réussi à recharger, plus le caca.
Ben non, au final, en fait c'est compliqué parce que le jeu n'est pas en vrai 16/9ème. C'est un petit enfoiré. Du fait... Non mais par contre, attends, c'est pas mieux si on est merde comme ça. Arteon cache moins l'écran. Comment ça je cache l'écran? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu veux essayer? Schlag boum. Il va t'aider en plus. Schlag le but. Il va dire manger. Et il meurt jamais ce con ou il est derrière toi? Clac, voilà. Ah, quand même ouais. Putain. J'ai vidé la moitié bon, du le setup est totalement pourri, mais bon. Incroyable. Et où est-ce qu'on récupère des munitions du coup sur les cadavres? Sur les cadavres, ouais, voilà, c'est ça. Bien, oui. Mais là pour l'instant, il y a que, on a que l'arme de base. Hein. Oh, putain, et ça, c'est des munitions par exemple. Fesses, là, tu restes appuyé sur X. J'appuie sur. Ah putain, X, c'est celui-là. Bye bye, mon mauvais, quoi. Du monde, ils sont. Putain, je suis choqué par le dessus, quoi. Je suis une espèce de serpent, j'avais pas vu tes mondes. Bon. On dirait que ça se calme. Reprenons des munitions. Putain, mais c'est la voix de Tilk! Oui aussi, c'est oui. Non, mais de Tilk. C'est un truc de fou. Oh, le façon, caché, quoi. La VF de et c'est un trésor. La VF de Gears of War, c'est un trésor. Ah non. Attention, regarde, là, ils ouvrent la porte. Donc là, prépare-toi à viser. Par contre, il me semblait qu'on avait des grenades d'ici. Et je crois que je les ai zappées. C'est pas grave. Tu essaies de te ramasser toi-même. Ah, c'est comme ça. Peut-être. T'appuies sur O avec la petite croix. Ouais, d'accord. Ah, je viens de comprendre le système. Accueillons les dignement. Alors ça a bien bugué. Oh, ouais j'avoue parce qu'on a pris le shot et en fait il s'est rien passé quoi. Encore un. Oh les mecs ont des headshots tout à l'heure quoi. Merde du coup. Attends-moi Marcus. C'est toi Marcus c'est ça? Bah, le layout est un peu à la piste parce que le jeu n'est pas centré lui-même parce que bon, c'est un faux 16/9ème en fait. Les gens qui râlouillent et ça. Mais alors qu'est-ce qu'on a par là? Eh bah écoute, je me souviens de cette scène parce que justement c'est la scène que j'ai vu faire mon pote la première fois quoi. Ça, c'est le début. Là c'est un peu la guerre votre. Oh la vache, ouais, attends, c'est énorme, on ne peut pas. Utilise un FPS console. Alors c'est un TPS vois-tu parce que c'est pas des vrais oui, Vikings. C'est indécent. C'est après tes munitions font plus mal quand t'as fait un super rechargement, ah ouais. Comme dans la vraie vie. C'est quoi le truc ici? Alors, quand t'as le truc comme ça, ça veut dire que dans le coin il y a un doctag à récupérer secret. Bah, une chaînette. D'accord. Et du coup, je peux les découper avec ma tronçonneuse ou. Ah, mais t'as pas encore la tronçonneuse. Ah merde! Ah, fusil d'assaut, attends, j'ai quoi? Ah non, c'est juste les mecs. Voilà, là je crois que c'est le doctag. Tu es bien ici ou quoi? Ouais. Est-ce qu'il y a un panier de basket? Ouais, ah, on s'y fout. Mi-temps en mi-temps, j'ai envie de dire. Quoi. Oh merde, j'imagine que c'est une grosse bête. Alors, du coup, les amis, c'est quoi? C'est des espèces de trucs qui. C'est des trucs en fait qui vivaient sous la terre depuis des milliers d'années et qui se sont réveillés et voilà, et en fait, ils sont là pour niquer. On n'est pas sur Terre en fait, on est sur Jacinto. Jacinto, très bien. Bon, il est sympa pour l'instant, je trouve. Depuis qu'il a été pas critiqué. Ah non, mais c'est, non, ah, c'est ça la grosse bête. C'était un gameplay qui a pas mal révolutionné le game. Après, ils ont sorti. En fait, s'il y a des TPS aujourd'hui, c'est, encore aujourd'hui, c'est à cause de Gears of War qui a tout pété. À cause de Brute Force. Non. Tu sais, c'est un des premiers jeux que j'ai eu sur Xbox à l'époque, Brute Force, quoi. Qui était dégueulasse au possible. Ah, Brute Force, putain, sur Xbox 1, ouais, carrément. Qui était dégueulasse au possible. Ah, bah voilà, ça, c'est plus sympa, regarde. C'est un Asiatique, ça. Ouais. Ils sont tous notés comme des. Merci Master Chief, patapatin. Il nous dit patapatin. Alors attendez, je vais essayer de faire un setup webcam. Il me met en plein milieu de l'écran, c'est bon, c'est absolument. En fait, on va rajouter une autre webcam. Donc en gros, le speech de base, il y a l'autre con qui vient libérer l'autre con, on s'enfuit avec la grosse bête. Bon, en fait, c'est que t'as un passé torturé, mec. Ouais, c'est un petit peu le petit cus. Le ticus de cet univers, quoi. Vous, un traître comme vous, déshonore l'uniforme. Tout elle est bonne à prendre en ce moment. Hein? Poussez-vous. Mais c'est la voix d'Escobar, quoi. Oui. Non, et surtout, de toute façon, toute la VF est géniale. Elle est hyper burnée. On va finir cette guerre. Une fois pour toutes. Mais oui. Mouvement ennemi détecté à proximité, colonel. Et bien sûr, elle est bonne, elle est pas du tout stéroïdée, quoi. Ok. Ah, non, ils sont ouf. Non, il est. Ah, j'ai l'impression de jouer à Space Marine. Les locustes. Ah non, mais c'est ça. Mais les locustes sont acharnés. Quoi. Space Marine. Ouais. On a maintenant. Cool. Bah, justement, Space Marine, c'est un des jeux qui existe parce que. Avec la pour l'utiliser, il nous faut des coordonnées précises.
C'est là que le résonateur entre en jeu. Ça permet de capter. C'est une voix hyper connue. Ouais, pareil. J'essaie de les repérer depuis tout à l'heure. On nous dit, Artéon, faut parler un peu plus fort. Ah, je sais, mais le problème, c'est que j'ai peur de réveiller. Et lui, c'est qui? On a peur. Elle, on a perdu contact avec l'escouade. Ils étaient ici. Je referme la porte. Ouais, vous en prenez l'escouade et déployez le résonateur. Et la couverture aérienne. La couverture, mais vous rigolez. C'est vous les renforts, bordel de queue. La musique est tellement du Starship Troopers. Ouais, et la musique d'ailleurs fait très Starship Troopers. Vous serez à pied. On est foutu. On est foutu. Pas l'air de le déranger plus que ça, quoi. Même RS plutôt, rien à foutre. Bien, colonel. Mais il est plus que temps de partir, non? Oh, tout est clair? J'attends de vous que vous vous surpassiez, Phoenix. Je fais pas ça pour vous. C'est pas ma guerre. Attends, mais c'est tellement... Ah oui, par contre, ce qu'on entend, c'est le son avec du retard. Je te préviens. Alors attendez, je vais essayer de... Le truc, c'est que le jeu, si je veux vous le passer en plein écran, les amis, il va être hyper squashé, stretché. C'était ma tournée. Bonne chance, Zelda. Putain, j'allais dire, il les a déglingués, les affaires. Allez, vas-y, t'inquiète. Je te couvre. Non, du coup, c'est compliqué, quoi. C'est qu'il y a une grosse. Il y a un truc qui, qui ne va pas. Dans le setup, en fait, c'est que tu vois, comme on n'est pas en pleine trame. Ouais, bah du coup, il a Il y a des gens qui gueulent parce que machin. Ah, ah mais bon, ça, on peut pas y faire grand chose, malheureusement. Ah, oui, du coup, oui, c'est un petit peu décalé, quoi. Je suis bien développé. Eh oui, tu vois. Ah, bah ça, malheureusement, c'est les aléas un petit peu des. Là, c'est comme le jeu n'est pas en pleine trame lui-même. Stretch-le, on s'en bat les couilles. Bon, bah alors, c'est vouloir et voulu, hein. Putain, j'ai envie de le rusher cet enculé, je sais pas pourquoi. Oh, tiens, mais pourquoi il met pas un B? Allez, vas-y, mais tape. Putain, pourquoi il le fait pas? Tape, pam, 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 pam. Alors, autant. C'est quoi la touche de corps à corps en fait depuis c'est tout à l'heure? C'est B. Mais je l'ai fait et puis. Mais non, mais alors maintenant en fait, c'est que le B. Là, il faut rester appuyé sur le B pour activer ta tronçonneuse et marcher sur les mecs. Merde, c'est pour je vais faire un truc. D'accord, parce que moi je voulais le couper en deux, genre un petit peu, genre. Ouais. Voilà, c'est exactement ce que j'ai essayé de faire en fait. Parce que du coup ça marchait vachement moins bien quoi. Tout va bien, j'ai absolument pas mal. Vite. Comment je fais pour ma vie? Je crois que t'as besoin d'aide. Je pense que tu dois m'aider peut-être. Hein. Ah le fumier, comment le mec il me laisse au sol, il s'en bat la race quoi. Mais attends, putain, t'es où? Juste à ta droite. Regarde, t'as le. Ah oui, putain, en plus. Regarde, ils sont tous en train de faire un but taqué là. Allez, mais putain, arrête d'être con! Et voilà, c'est ça! Mais putain, ça sort rien, merde! De toute façon, une petite tape sur le cul, hein, c'est terminé. Ah bah, c'est toujours dans, ça. C'est comme dans la vraie vie. Double bruit. Tiens! Oh putain! La fameuse. Oh putain, j'essaie de changer avec les boutons d'allo, quoi. Oh! Guigui est passé. Petit c'est moi qui ai déclenché la cinématique en haut, je crois. C'est pas mal encore pour du remasterisé. Je te dis, c'est pas juste mis en. Ils ont vraiment fait les textures. C'est chaud, c'est pas mal quoi. Marcus, pour tourner les. Attends, hop, je change le stream sur Twitch. Hop. Marcus, sur le flanc gauche. Ah oui, oh putain, je vais te la mettre sur le flanc, mon gars, tu vas voir. Tu te la foutre sur l'oreille. T'as trop une paire de lunettes. Oh, il est toujours pas mort. Putain, attends, on a pas de grenades. Si, voilà, j'ai des grenades. Donc les grenades, elles sont stylées. Bon, quoi les grenades? Montre un peu plus. Alors les grenades, t'appuies sur le petit haut de la croix. D'accord. Et après tu vises et t'as la cloche en fait du truc. Et en fait, tu vois, pour fermer leur terrier, il faut jeter une grenade. D'accord. Ah, t'es obligé de... D'accord. Et après, ça fait un riff de guitare. Tu restes appuyé sur la visée. Ah, celle-là. Non, l'autre gâchette justement. Je me suis trompé, qui sert à viser. Ah, voilà. Et ça fait la cloche, y compris avec les rebonds. Le terrier, il est là-bas. Bah, il est mort. De toute façon, je l'ai touché là. Il était là. Attends, on a d'autres flingues. Ça, c'est toi, j'imagine. Et je vais courir. Bon, par contre, j'avoue que le framerate en splitté n'est pas terrible hein, sur cette version Xbox One. Ouais, pourtant, ça chie un peu. C'est compliqué. Alors que le multijoueur est en 60 FPS. Ah, dessus, c'est la compression. C'est peut-être le PC, mais c'est bien. Non, mais là, on joue pas à travers le PC, on joue à la sortie. Oui, non, mais oui, non, c'est pas le PC, c'est juste. Taille. Mais d'ailleurs, ce jeu va sortir. La version Ultimate va sortir sur PC aussi. Elle va sortir sur PC. Elle sortira. Ouais, je crois. Peut-être à Noël ou quoi, elle sortira sur PC. Non, c'est bien qu'il passe. De toute façon, c'est un jeu budget. Il est à 30 balles ou 40 balles, je sais pas. Alors, attends.
2006, hein, mais à l'époque c'était la grosse grosse craque. Ah, je me souviens, c'est vieux. Pour te dire, le premier jeu, Unreal 3. Premier jeu avec Unreal 3. Je jouais même pas dans Noob à l'époque, c'est pour te dire. Aïe 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 aïe. Parce que ça me rappelle, je sais pertinemment avec qui de l'équipe j'ai découvert. Donc là, il y a des mecs qu'il faudrait choper. Mais là, on est là. On est là, en fait, on s'est téléporté. J'ai pas eu le cinématique, ça m'a un petit peu surpris. Là, le mec veut ouvrir une porte magique. Je vais ouvrir la porte. J'ai le code. Regarde, il a le code, c'est. Voilà. C'était un bon code, ceci dit. Quoi. Donc là, il y a des terriers. Donc là, si tu veux essayer d'en boucher un, la statue va s'effondrer dans le truc. Donc là, je vais essayer d'aller en cramer un. La statue, t'en as rien à vous, toi ? Hop, regarde. Oh, y'a rien à voir ! Raté ! Comment ça, raté ? Comment t'as bouché le truc ? Ah, je crois. Alors, c'est un gros mandat, j'ai raté, quoi. Oh, ah, moi j'ai mouru. Putain, t'as pris la bite. Attention. Putain, mais les mecs se foutent devant aussi, ils sont prêts. Mais barrez-vous, bande d'inconscients. Retrouve-moi et fous-moi une petite tape sur le cul pour me sauver. Mon pépère. Tu dois pas être loin. C'est moi, sujet, là, celui-là. Je m'en doute. Putain, les mecs nous envoient de la grenade sur la gueule, quand même. Merde. Il est où? Putain, il y en a juste à côté de moi. Oh, putain. La vie finit par remonter petit à petit. Ouais, ça s'estompe, c'est ça. Ouais. Putain, j'arrive pas à voir où ils sont, c'est l'enfoiré. Ok, est-ce qu'il y en a un derrière? Non, c'est pas d'accord. Là, il y a un autre trou que je vais boucher quasiment automatiquement. Ok, nice. Ah, t'es dans la place, attention. Et quand tu entends le riff de guitare, c'est terminé. Terminé, c'est genre les mecs sont morts, il y a plein de... On a clean la zone. Alors par contre le gameplay est sympa, mais c'est vrai que je suis plus habitué au gameplay des FPS plus classiques. Bah non, mais c'est pas un FPS, c'est un TPS. Non mais j'entends bien, c'est vrai. Et donc le fait de passer d'une couverture à l'autre, c'est ça le gameplay. C'est sympa, effectivement. C'est juste qu'il faut. Parce qu'une fois que t'es collé. Ouais. En fait, tu peux aller après à gauche, à droite ou passer par-dessus. Non, t'as juste à commencer à changer. En fait, tu passes ton temps à pomper sur A. Ouh. Oh oui, passe ton temps à pomper. Ah, j'aime pomper sur A. Et cheese. Fish in the bar. Le poisson, vous êtes une. C'est peut-être Alpha. L'huile de plaque. Là, y'a plus de plaque, bordel de merde. J'ai mangé la plaque, mec. C'est dommage, je voulais être un gros blé. C'est le résonateur. Si, en fait, en fait, c'était le résonateur. On ramène le résonateur. Marcus. T'en penses quoi? Je pense que ça pourrait être Alpha. Ou peut-être un piège des locustes. La paire de couilles de Marcus Fenix, mon gars. Alors par contre, ça me fait rire parce que les mecs, c'est genre les gros sales latinos, en mode le palais des souverains. Bah oui, ah non, mais de toute façon, c'est un monde où ils ont exacerbé tout le côté bourrin. Non, drôle, et c'en est de l'art, en fait. C'en est magnifique. C'est un petit peu comme si expande des BO, mais. Alors attention, par contre. Oh, il y a du monde là. Là y a du monde. Putain, je regardais ton écran, je me disais pourquoi. Ouais, et du coup, il y a une tourelle. Donc, soit t'as une grenade pour la niquer, soit faut passer de l'autre côté. Soit faut faire le tour. Tu vas par là où t'es, tu vas sur la droite. Ouais, mais attends, et là, tu fais tout le tour. Flanquer, c'est FDP. Marcus, sur le flanc. Moi, je peux lui. Voilà, c'est ça. Là, tu fais le tour. Et après, tu repars sur la droite, et là, tu arrives derrière les gars à la tourelle. Ah, juste là. Ouais. Tu arrives là, mec. Et voilà, et tu vas flanquer. Ça va s'occuper des. Charge les armes. Ah, mais on peut piquer leurs armes, même. Les humidités. Okay, attends, par contre, moi j'ai la tourelle donc. Ah, ouais, j'allais dire, c'est vraiment qui a fait si mal que là. C'est vraiment la tourelle, quoi. Comment je suis là? Ça, c'est là mon arme principale. Ok, nickel. Bon, c'est pas mal foutu quand même. Oh, mais de toute façon, enfin moi je trouve que c'est un chef d'œuvre. Il est pas mal. Il est. Soit le gameplay, que ce soit la campagne, que ce soit l'ambiance, que ce soit la VF et tout. Ça m'enjaille toujours de jouer à Gears of War en coop. Allez, sors de la fumée. Et surtout à l'époque, en fait, c'est pas assez fait. C'est ça qui est bien, quoi. Ah, je sais pas si j'ai avec toi. J'ai foutu un bon coup de crosse dans sa gueule, j'ai craché dessus. Ah, il est craché dans le trou là. Ah oui, comment tu s'habitues à pomper le hack. Ouais, c'est ça. Ce qui n'est pas nécessairement... Donc là, il y a des grenades. Et lui dit, quand tu n'as pas l'habitude. Ah, récupère un petit peu de... Tossement. Boucher le jeu. Pluie d'émergence. Il me semblait qu'il y avait... Alors, c'est un stress qu'il n'y ait pas de radar. Il faut le deviner. T'appuies sur Y. Non, sur Y, tu vas me voir, en fait. Ouais, moi, je pense que je vais devoir te voir. Marcus.
lui là. Mais quand il y a un puits d'émergence, ça fait un event. Il y a pas de merde. Le jeu n'est pas fluide du tout en coop. Ah, je suis mort. Viens me sauver. C'est moi qui vais die du coup. Putain, la déception quoi. J'ai fait un peu du smurf en mode mon loup. On lui a fait un petit peu le cul là. Oh, ça s'est bien passé, t'as vu le monde derrière un petit peu. Attends. Ah non, c'est toi là. C'est par la gauche, je pense que le mec. Il est mort. Ok, il est mort quoi. Oh, que c'est qu'on doit aller. Ah, mais c'est qu'il y a un trou là, j'avais pas foutu ma grenade dedans, voilà. Il dit que ça détruit depuis tout à l'heure. Et là, regarde, il y en a un autre qui arrive. Oh, il est où le trou? Chut. Ah, tiens, je sais pas si j'ai réussi. Bon, normal, hein, les mecs sont gratos, c'est un peu. Tellement violenté la touche. Donc, t'es pas obligé de viser pour tirer depuis ta truc, tu peux tirer en restant à couvert. Ouais, c'est sûr. Si tu veux la jouer en mode safe. Ouais, mais c'est une question d'habitude. À mon avis, il faut que je m'applique, j'ai plus l'habitude d'y aller en mode énervé, quoi. Ouais. Un petit peu de munitions, ça. Oh, bah, très bien. Ça va couler toi pareil dans les fesses là, ça ça quand tu me fais des cadavres. Tout va bien quoi. Oh putain. Bon. Ah c'est nickel ça. C'est vrai qu'effectivement c'est assez exacerbé au côté muscle. Ah lui, je sais pas si t'as vu comme il a plongé quand il est mort, quoi, il s'était con. C'est la ragdoll de la mort. J'ai une idée. T'as une grenade bizarre pour boucher le trou quoi. Je dois avoir quelque chose pour boucher le trou. Et surtout que j'aille. Je vais me faire. Mais allez mes pompes. Alors attends, grenade, allez où? Alors ah, grenade quoi. Toucher de la façon. Alors je vais tomber un truc dessus. Merde où mec. Ah putain. J'ai plus de munitions. C'est bon, il va. Reprenons des munitions. Un peu au niveau des pampons. Reprenons les munitions, bordel de merde. Ah, comment ça passe quoi? Ok, nickel. C'est quoi ce bordel? Au bout d'un moment, il y en a plus, ça tu vois, il y a un mec, c'est un peu Bill Paxton. Tu sais, ça t'es bon. Tu es molasse, ouais. Mais c'est un peu ça. Ça sent le caca. Choisir un chemin. Alors, en fait, moi je vais à droite et donc toi tu tires à gauche. C'est ça. Donc là, on est séparés. Ah, sinon, c'est pas drôle quoi. C'est du gameplay asymétrique, t'as vu? Les mecs sont chauds. Il va être un petit peu l'ambiance. Par contre, je n'ai plus de munitions. Oh putain, on va mourir. Il boum, ça en fait, moi je peux arriver de l'autre côté. Les gens qui te font chier ici. Alors, là, je les avoine. Oh, c'est bon, j'ai fini le cul. Non, je pense à recharger mon de façon intelligente. Donc, Carmine est mort. Carmine est mort. Ah, c'est peut-être le mien en fait. Ah, peut-être. Et là, je pense que là, j'ai débuté. Non. Petite babale. Tu vois, ce papa, papa, pam, ça, c'est la musique. Autant Halo, ça fait papa, papa, pam. Ah, mais moi, j'aime bien Halo, mais Gears of War, ça fait tintin, pam, pam, pam. J'ai assez fric. Donc là, il faut que tu butes la tourelle qui est derrière toi en fait. Ouais, depuis à travers la corniche, attends, enfin à travers la fenêtre, regarde non, à gauche, là, en face. Tu vois là il y a un mec sur une tourelle. Ouais. Ah oui, effectivement. Et tu vois il m'embête en fait. Je peux pas le... Non mais non, pas à travers la fenêtre, abruti. Mets-toi à couvert. Regarde, en fait t'as perdu tout ça, c'est pas mal. Ouah, c'est bon, Marc, t'as fait suffisamment diversion. Derrière nous. Non, c'était toi ça. Par contre, j'ai plus beaucoup de munitions, effectivement. Alors, soit j'ai coupé ta con. Voilà, je ne sais pas du tout où sont les munitions. Voilà, je pense que ça sent. Et voilà, j'ouvre la porte. Et donc maintenant, on. Ah bah, je peux pas vous rejoindre. Si, je peux vous rejoindre, mais pas par la porte que j'ouvre tout à l'heure. Mais attends, mais il y a encore un mec qui fait chier là-bas. Alors, ils sont où, c'est con. Voilà, donc là, je te rejoins maintenant. Ah oui, d'accord, ils sont là-dedans. Je suis là. Faut passer sur la gauche, sur la droite, sur la droite. Ouais, d'accord, il y a une bonne grosse tourelle, je sais pas si tu l'as vu. Ouais. Bon après le jeu, je le connais un peu comme ma poche. Alors j'avoue que effectivement quand tu le connais par cœur, c'est pas limité, pas d'esprit. La tourelle faut l'occuper un petit peu, tu vois, tu peux foncer sur la porte là.
clac, et là j'ouvre. Et en fait, t'arrives par derrière et tu veux le tronçonner, le mec. Tu veux le tronçonner, tu le fais. Oula! Ah non, merde, c'était un mec à la corne, c'est pas pour lui. Du coup, là maintenant, tu vois, je vais voir. Putain, merde. Voilà, j'ai des grenades frag. Attends, regarde la tourelle, elle va faire boum. Ah, là, je suis sur la tourelle, moi. Gare à l'explosion! Voilà, jambon. Oh, c'est bon ça! Petit jambonneau. Là, par contre, la tourelle, je te conseille de la prendre parce que là, ça va bien. De l'autre côté, en fait, par derrière nous, on va se passer des trucs. Alors, est-ce que j'arrive à monter dessus? Non, il faut que tu fasses le tour. Ah, faire le tour. Je me suis dit, bon, le mec, il peut monter un mur d'un. Tiens, il y a des munitions juste là devant toi. Une petite fiotte quand même. Ah, parce que là, je prends peut-être une tourelle. Ah, ouais, bon, on a fait un petit peu plein là, tout le temps. Ça va la tourelle, tranquille, au calme. Je suis sûr que ça se passe plutôt bien, tu vois. Ah, le jeu, ouais, bon, ouais. Et je l'ai un peu saigné. Mec, c'est comment ça se passe? Qui sait quelles sont les balles? Je suis chez moi. Ta mission a fini. Regarde cet exploit. Je vais attendre devant cette porte en laissant ma tronçonneuse allumée. Et le mec, ça va l'instant. On lui fait une On va voir qui l'a ou pas. On lui fait une double. Oh merde! Oh putain, il m'a tapé! C'est bon, je l'ai eu. Putain, ce jambonneau, oh, il m'a mis la porte dans la gueule, le fumier. X pour mettre un coup de queue. Oh, QTE qui sert absolument à rien pour faire stylé. Oui, bon, c'est pas faux. Testostérone. Oh, c'est stylé. Attention, les textures, merci. Ah oui, effectivement, c'est... Oh, ils ont apparu. Oui. Un petit peu de clipping. Entrée. Dom, Phoenix, cherchez une entrée. Reste derrière avec Carmine. Je déteste les phases où tu ne peux pas avancer. Et Alpha. Et Alpha. On leur porte ses feux. Regarde, je vais mettre un coup. Le mec, il met des coups de pied pour ouvrir toutes les portes. Là, on va avoir une escarmouche qui est légendaire dans le game, dans l'univers du game. C'est juste que, putain, je ne m'explique pas le framerate en mousse de cette version splittée là. On sent un petit peu que ça lagouille. Les élèves, tu es où? Attention, on va y avoir des puces. Non, mon dieu, j'ai plus géant, du beau ça. Moi, je vais me foutre dans la petite maison là, regarde. Hop, je suis bien au calme. Ah, regarde, t'annonçais qu'il faut prendre cette place forte. Merde, j'étais bien dans la petite guérite là. Et t'as vu, ils ont bien aligné les sacs de sable comme il faut. Ils sont malins, les fumiers. Tu peux enchaîner les. Un grenadier qui surgit hors de là. Alors, le grenadier, c'est un mec avec un fusil à pompe. C'est. Ah, je sais pas, moi, j'ai pas allumé un peu là. Oh putain, il est toi, c'est ça? Mais mets-toi à couvert, tête de con! Ok, d'accord. Attends que la vie revienne un petit peu. Mais qui me plante ou quoi? Malheureusement, c'est vrai que c'est dommage. C'est un petit peu un acte manqué de pas avoir foutu le Gears of War 2 aussi remaké. Et par contre, quand t'achetais le Gears of War Remake sur Xbox One, le premier mois de sa sortie, il t'offrait les 4 en téléchargement en rétro. Quoi. Donc en fait, t'avais les vrais sur Xbox 360. Merde, il faut que tu viennes me sauver, mec. Où es-tu, Marcure? Attends, parce que moi, c'est la tourelle là, qui nous a donné. Attends, c'est quoi, je te fais un petit peu. Ah, voilà. Easy, ma gueule. Benzaï, je recommence. Moi, tu streams la Xbox One sur le PC et en plus, tu le live. Voilà pourquoi tu rames un peu. Merci. Non. Nous, on joue avec le retour exact, direct en HDMI de la Xbox One, et c'est la Xbox One qui rame vraiment elle toute seule. C'est pas le jeu. Un petit peu de mal pour le coup. C'est pas par rapport à mon setup. Je veux dire, c'est quoi, ça c'est des méchants, c'est ça. Connard, je veux dire. Putain, mais en fait ils m'ont tellement surpris, les mecs, ils étaient tapis comme des fiottes dans l'ombre. C'est difficile, quoi. Voilà, des couples. Voilà, qu'ils sont en live. Mais ce moment où tu sais plus, t'as un buzz. Tu sais plus ce qui se passe. Il y a un Star Wars. Énorme blague. Reste près de la tourelle. Je vais rester près de la tourelle. Même si plus bien. Oh putain. Ouais, mais j'ai un problème. Ma pétoire débloque. On s'en fout, t'as un casque. Je pense qu'il va régler cette tourelle. Vous voyez? Non, ce mec est beaucoup ils me font trop rire, les locus, ils sont toujours à fond. Est-ce qu'on est au même endroit? Non, c'est les locus ne s'ennuient jamais. Mais les gens ont l'air d'être plutôt bons. Ah bah ils ont la haine, hein. Franchement. Ils sont trigger de ouf. La tourelle elle est cool. Oh, mais putain, mais j'ai l'impression que ça rame plus que la version 360. Qui pourtant n'était pas hyper fluide, hein, mais quand même.
Là, y a pas d'excuse. Bah, des trucs, j'ai pas trop trouvé. Bah, c'est... tu me tires un peu dessus. Bah, ça touche pas, non ? T'as pas de panne ? Non, je crois pas. Oh, mais c'est beau ! Oh, tu seras mes yeux, les gars. Mais attends, je vais prendre ce fusil destructeur, ouais. Voilà. Ouais, ces petites grenades. Cool, mais s'ils avancent pas, je peux pas les détruire. Ah, j'ai mouru. Alors, faut pas que quelqu'un m'achève en fait, parce que sinon c'est foutu. C'est niqué. Ah, je vais leur faire le cul. Vas-y, sauve-moi. J'essaie, mais cet enfoiré ne voulait pas avancer son gros fiac, ça. Une petite grenade, hop. Petite grenade lunette. Hop, fusil à pont. C'est le mec horrible. Ouais, oh, ça parle fou, mal. Oh, ça parle très très mal, quoi. Ah, putain, oh, mais tu fais bien Bob. Oh, je fais super bien Bob. Tu fais bien Bob qui fait le schtroumpf. Le Bob qui fait le schtroumpf, tout à fait, quoi. Ouais, mais Bob, tu comprends, tout. C'est pour te garder ses conneries, quoi. On va pas se transmettre en vacances avec ce truc, tu vois, en fait. Ça marque un petit peu. Oh là. Ah, ils sont tous là. En fait, on est dans l'espèce de corniche là où je suis, moi. À l'intérieur de la maison. Tout est une corniche, hein, ouais. Quand je m'exprime, vous remarquerez compris, que beaucoup de choses étaient une corniche. Sur CSGO, quoi. Corniche direct. Mec de cul, corniche. Ils sont où, corniche, je ne sais pas. Le mec envoie des faux call shots dégueulasses, quoi. Corniche. Tu es où du coup? C'est de la qualité. C'est pas du tout où tu crois, je suis là. Merde. Hop. Bonjour monsieur. Je vais ouvrir la porte. J'ai le code. Mais si je pourrais y aller depuis la console, ah, mais putain, ce serait mais moins de l'autre côté, mais quel abruti. Je me disais, mais putain, je le vois. Eh si, on est là-bas, mon gars. Il a encore offert son code secret. Attends-moi, Booba Gump. Attends, mon gars, il y a un joueur que tu vas kiffer. Les sorts. Il y a un personnage que tu vas trop kiffer parce que c'est le gros blague de service. Ah putain, mec. Qui fait. Ouais. Est-ce qu'il s'appelle Clay? Écoute, il dit plein de trucs. Il est tout seul. Est-ce qu'il s'appelle Cléthus maintenant? Va chez l'opticien, crétin! Oh mais attends! C'est la voix de... Putain, c'est une voix d'en haut, justement, de là. Je crois que c'est la voix de Volgin, quoi. Non! C'est la voix de Narala. Oh regarde, il s'est fait défoncer le cul, il est par terre, là. Vas-y, t'en fais. Putain, regarde, je vais t'aider. Je peux pas descendre, moi. Le mec a réussi à mourir comme un caca. Et après, quand on va... Ah, on peut pas descendre, en fait. Non, ça va s'ouvrir. Putain, regarde. La porte va s'ouvrir à ta droite. Ah oui. Expelliarmus! Le mec. Expelliarmus, la chute. On va sauver Cole parce que là il est, regarde, il est en mode cadavre. Ouais. Et en fait il va faire ouais, ça c'était de l'action, mec. On bute le mec qui est là. Et regarde, la cinématique va être pas du tout raccord du coup. De retour au combat. Putain. Mec. Ouais, ça c'était de l'action, mec. Décline ton identité, soldat. Soldat Augustus Cole, escouade Alpha. Cole, le fameux Cole. Ouais, c'est vrai, tu l'habites aussi, quoi. Où est le reste de ton escouade? Non. On est l'escouade Delta. Le mec est trop badass, quoi. Sonar. Et pour sortir ton escouade de là? Bah, c'est gentil, on attendait l'hélico, mais nos radios sont complètement bousillés. Chef. On avait remarqué. C'est les essaimeurs, ils gênent nos transmissions. Alors, il faut commencer par régler ce problème, lieutenant. Ok. Il faut rétablir le contact radio avec le contrôle, en priorité. C'est beaucoup trop chaud. Tu vois, ils expliquaient qu'en fait il était champion de trash ball. De trash ball. Écoute ça. Un peu le blitzball mais version. Numéro 83. Énervé, c'est ça. Ouais, c'est moi le roi. Ouais, non, rien. Oh putain, t'es rentré où du coup? On t'a vu jouer. Eh, j'étais avec Oni. Tout le monde veut voir le héros, mec. Mec. Sur Y pour savoir où on est. Je sais, mais ça me montre une direction que j'arrive pas trop à rentrer comme un con. Vas-y, remonte là. Putain, mais te cache pas. Okay. Reste appuyé sur A pour courir, voilà, clac. En fait, ça me stresse qu'il soit comme ça. Il fait un peu caca, ouais. Allez, il fait un petit peu. Salut. Ah bah, caca, t'attends. Salut, comme dirait Harry. Salut. Il y a des trucs là, ça va pas être. Putain, c'est délicat. En fait, regarde, il va appeler notre droïde qui était là depuis tout ce temps. C'est des hunters. C'est quoi ça le fusil? Prends le fusil à pompe. Il est où le fusil? Il est où le destructateur? Je l'avais vu. Il est où? Ah, hop, voilà. Charge les armes! Mec. Et là, il fait très mal au corps à corps. Ah, tu vois là, il y a un petit Jean-Guy, regarde là-bas. Oh, Jean-Denis. Il est rebut. Ah, c'est des grunts? Oh, ils sont. En fait.
tu peux sagement les attendre en mode tronçonneuse et sinon fusil à pompe au corps à corps ça marche aussi. Du coup je tiens tes arrières. Ils sont un peu nerveux, hein. Ils sont énormes. Ah merde, mais du coup oui. Oh là, je les coupe trop dans la bouche. Mais tu vois, la musique fait très Starship Trooper. C'est un petit peu plus Starship Trooper. Ouais. Je suis énervé là. J'en découpe, je découpe du vent. Pareil, un petit peu comme moi, je fais de la merde tout à l'heure. Comment tu es en train des ponts? Comment je reprends mon arme? Mais du coup, c'est que t'as changé la tronçonneuse avec ceci. J'ai souvent, par contre. Je repense que j'ai le fusil tronçonneuse, je l'ai en doré, grandeur nature, en plastique à la sortie du 3, du 2 en fait. Du coup, je peux récupérer ma tronçonneuse. Ouais. Bah, merde, c'est absolument pas ça que je fais. Il y a R2 mais 2 quoi. R2 doigt dedans. Putain, tu te souviens de R2 doigt dedans? Non, c'est dans quoi? C'est ça qui est mirifant en porno. Ah putain, il y a ça. R2 ah, D2 s'appelle R2 doigt dedans. Tu vois, là j'ai pris le rayon de l'eau par terre. Le rayon de l'eau, donc tu vas mettre une petite frappe en putain. Si, voilà, c'est. Donc il y en a un pour toi aussi à côté de ce jambonneau là. Tu regardes pas. Vous avez vu ce beau jouet? Alors faites gaffe, il est violent mais il est pas méchant. Ah merde, attends, putain, j'ai plus mon fusil d'assaut du coup. C'est vrai, quoi. Fusil destructeur. Non. Putain, je sais plus comment faire. Bah vas-y, appuie sur ça, droite. Ça c'est ok. Du coup, t'as fait tomber ta. Ouais, mon arme principale. Ta tronçonneuse, elle est où? J'ai même mon tronçonneuse. Je vais peut-être ramasser. Bah voilà le fusil lanceur, c'est le tien. Il est où? Je vais le ramasser, je crois. Et là, oui, mais c'est parce que là, t'as le flingue, donc prends ton fusil à pompe. Voilà, et là, tu peux pas avoir deux armes principales. Chargez les armes! Tu peux avoir deux armes principales plus le flingue. Voilà, mais tu peux pas les cumuler. Vas-y, moi. Donc là, tu vois, il y a un essaimeur locuste. C'est une merde qui crache des petits. Alors, toi, bute les petits machins autour là. Oh putain, fais gaffe, y'en a un qui va me faire des bisous. Alors que moi, je lui orbitale la tronche. Attends, moi aussi, je lui orbitale. Vas-y, scan. Ça marche, en faisant ? Ouais, ouais. Il reste appuyé en fait. Ah, il a pas entendu ça. Ah, oui, d'accord, on lui a fait les fesses. On lui a fait les fesses. Pendant que Fanta. Ouvre le truc. Ah, oui, mais regarde, il était chaud. Fantin est un mec hyper sécheux, c'est un mec qui a décidé de te les raser pour être plus soigné. Fantin, c'est le méchant. C'est du tuteur. Dans Waterworld. Ah, dans Waterworld. Ah, Denis Hopper, non. C'est le même. C'est le même. C'est vrai. Ah, c'est Denis Hopper de Waterworld. Qui a joué d'ailleurs aussi Koopa, si tu connais. Ah oui, c'est. Putain, c'est lui, c'est Koopa dans Mario. C'est Koopa dans Super Mario, bien sûr. D'ailleurs, là, sa femme était aussi Tempétunia, c'est ça, si je ne sais pas. Oui, putain. Tempétunia d'Harry Potter. Tempétunia d'Harry Potter, c'est la meuf. C'est la meuf dans Mario. Super Mario. Oh putain, j'hallucine. Tu te sens un peu souillé? Est-ce qu'il faut que je bouge ce trou ou c'est mort, quoi? Non, là, en fait, c'était le trou du machin qu'on vient de buter. On vient de tuer, du coup, il est bloqué dedans. Bah, il est capable de parler en hardcore pendant une minute. Oui, pour 500€. Je fais ça. Oh, je le fais pour moins cher, les gars, y'a pas de soucis, mon PayPal c'est Oberon. C'est le mec. C'est le bâtard de ouf, quoi. Je vois mon cul, mais t'es bien. Une grenade frag. Tenez-vous prêt. Oh, tiens, vous prêt, bordel de merde. Putain, je me suis toujours demandé. Tiens, protège-moi. La voix qu'on entend dans la c'est toujours fou la bonne femme. Alors, je baisse un petit peu. Je baisse de 2 octaves. Je me dis, putain, quand même, c'est. Chaque fois, j'ai la voix grave, mais alors lui, quoi. Ah, bah, c'est énervé, quoi. Ah, mais non, faut pas arriver. Bienvenue dans le hardcore. Wow, en fait, je pars sur une voix comme ça, tu vois. Tu alors que toi, tu les sens vachement. J'ai pas l'accent du coup. Ah, bah, c'est oui, il faut l'accent. Ah, bah, oui, du coup. On est plus tout le monde dans le bus, ça n'a strictement rien à voir. C'était ridicule, quoi. J'ai des trucs de l'offre, je crois. Et là, où suis-je? Je vais me perdre sur son voix. C'est plus facile avec les élites, hein. T'as pas. Hey, je te tire dessus. C'est dans Halo. Je te tire dessus. C'est dans Halo, ouais, putain. Ah, c'est dans Halo. Je sais plus si il l'avait pas fait dans un autre jeu aussi, quoi. Je te nique ta mère. J'ai baisé ta soeur. T'imagines le grunt beaucoup trop chaud, quoi. Ouais. Attends, est-ce que je peux péter la commode Louis XVI? Oui, tu peux même tronçonner dedans. Je voulais la tronçonner juste. Elle se décompose devant toi. C'est nul. C'est un accélérateur de particules, en fait. Je pense qu'il va se passer des trucs. J'ai vu quelque chose, bordel de merde. C'est hyper sérieux, putain. Dans le sang du Christ. Il est poursuivi par un ours.
Les grondes. Ah putain. J'ai tué une grosse. Il faut descendre. Il faut descendre. Descendre, mec. Oh merde. C'est merde. Jean-Guy. Oui, il fait les tranches. Les enfants araignés dans The Stray, il fait gaffe. Tiens, ah, vas-y, là, il y a des grenades pour toi. Ah oui, des grenades. Pourquoi quand je pense à grenades, je pense à des trucs dégueulasses. Parce que je suis mec dégueulasse. Tiens, c'est grosse merde. Bah, c'est des trucs qu'on bute depuis tout à l'heure, là, qui crachent des machins tête chercheuse. Le signal est extrêmement faible. Oui, il y a les morts. J'allais dire, là, du coup, il... On est sur le problème. On va le régler. On se dirige vers... Oui, j'ai monsieur Grave. J'aime l'argent. J'aime l'argent. Les petites bobs, j'aime l'argent. Et vous, c'est vrai que c'était lui qui faisait la voix de Woodhouse dans la VF. Ah ouais? Eh ouais. Où vont les lumières, c'est ce que je me dirige. Caralou, on dit à ce monsieur d'Alexa. Ah oui. C'est très très bon. Vas-y, une petite grenade là, pouf. Ensuite, viens me chercher, mec, je suis chaud. Merde, putain, attends. Non, c'était pas une bonne idée. Il faut que ça soit chaud. Bah, je voulais envoyer sur le mec, mais en fait, tu peux juste avancer en tronçonneuse et le mec te fonce dessus, donc ça active la tronçonneuse. C'est des cacas, quoi. Oh, les petits Jean-Claude, hein. Ces mecs, ils ont aucune notion de survie. Bah, c'est les Jean-Guy, hein. Et d'ailleurs, tiens, petite anecdote. Tu sais dans quel film tu peux le voir, le comédien de doublage qui fait la voix de Carlo, etc., quoi? Non. Les Trois Frères. C'est vrai? Dans Les Trois Frères, et tu verras, c'est le notaire. Ah, c'est le notaire, c'est oui, notaire. Mais c'est Ganesh qui m'a dit ça. Et ouais, c'est le notaire, j'avais été choqué parce qu'au début je ne savais pas, d'un seul coup j'avais. Putain, mais je la connais cette voix à moi, c'est incroyable quoi. Mais vas-y, pourquoi je peux pas ramasser ce truc là? Il y a un docteur là, il y a un doctag là, et ah, toi tu peux le ramasser, ok. Ouais, mais je peux parce que pour moi ça. Tu as débloqué une BD. C'est quoi, des pages de BD? Ah, c'est cool ça. Ouais. Son résonateur, ça permet. Oh, je vois que ça prépare déjà les vocaros pour les mecs. Du coup, en fait, c'est quoi? Il pose des questions comme ça? Ouais, en fait, c'est ça. C'est que sur, on a un chat, le chat de mon modo, de sa chaîne, sert de poubelle à vocaros. Et en fait, on prend et on écoute les vocaros directement. Ah, et on y répond. D'accord, parce que moi, je fais pas du tout comme ça. En fait, on le faisait soit avec Skype, soit Internet. De toute façon, le niveau est terminé dans 10 minutes. Mais il est bien, franchement, tu m'as hypé dessus. Hein. Non, mais le jeu est très très bien. Et le 2 est une merveille. Le 2 est 10 fois mieux. En fait, c'est pour ça que c'est dommage qu'ils aient pas refait la. Ouais, c'est le truc qui est en dessous là. Regarde, il est en dessous de nous. Vas-y, moi je vais buter les petits missiles. Voilà, crame-lui la gueule, moi je te protège. C'est ça le surplus, ma gueule. Je crois qu'il faut faire deux fois. Recommence. Jolly! Ça se passe. Alors, en VO, c'est la voix de Bender, Marcus Fenix. Ouais. Qui est aussi la voix du chien dans. De Jake le chien dans. Oui, tout à fait. Time. Oui, tout à fait. Yeah, baby! Oh, Ben. Ah, voilà. Bender qui a une très bonne voix. Shut up, baby, I know it! C'est un peu bizarre, t'es un peu. Un peu orcé. Un petit peu avec Adventure Time, mais finalement, je suis pas un peu. Ah, c'est très très bien. Écoute la musique, c'est typiquement Starship Troopers. Tu lis ça tous, fais les Starship Troopers ou quoi? Tu les as tous regardés? Ah non, j'ai pas vu le 2 ni le 3. J'ai. Tu sais qu'il existe, je crois, 4 ou 5 films d'animation 3D. Oui. Écoute, étonnamment, ils sont limite meilleurs que le premier. Vous êtes où, les gars? Meilleur que le premier film? Ouais. Et quoi? C'est pas possible. Ils étaient très. T'as eu le 1 qui était dur. T'as le 2, le 3, le 4. Enfin, le 2, le 3, tu les oublies. Y'a un 4? Non, y'a pas de 4. Les 2, 3, c'est les. Parce que dans le 3, c'est avec Casper Van Diem. C'est ça, t'as les huis clos, etc., qui sont dégueulasses. Et t'as la version d'animation qui est excellentissime. Ouais, les campagnes Roughneck, qui est excellentissime. En fait, ils ont pu faire tout ce qu'ils voulaient dedans, puisqu'ils avaient pas de problème de budget, du coup. Ah, bah oui, vu que c'est dégueulasse. Ah, là, bah, vas-y. Alors, écoute, étonnamment, je jette ma grenade avant qu'il arrive. C'est bon, quoi. Toi qui arrive, c'est une grande bête. Ah, non, bloquez-vous. Bloquez-vous. Moi, Balzi, là, quand même, qu'est-ce que c'est? Top. Mais tu veux partir dans la cour? Ouais. Non, dans l'autre sens en fait. Mais je regarde s'il n'y a pas un petit secret. Qu'est-ce que c'est que ce Jean-Guillaume là? Regarde le. Jean-Guillaume! Oh oui, putain! Oh putain, le bug, la version Xbox One. Absolument rien vu, messieurs dames, absolument rien vu. Non, c'est vrai que ce remake il est quand même vite tough. Oh, mais sort pas, son corps. Même si bon. Alpha, on aperçoit votre position. C'est que finalement, presque en temps. C'est une espèce de gros coche, bien reçu. Ça n'a aucun sens quoi. Tu vois que là, il y a une. Ah, va y avoir un gros magnum à un moment. Oui, un gros magnum.
Regarde devant toi. Il y a le mec devant qui suit. Regarde, je vais juste écouter. Ouais, mais c'est le pistolet, moi, le cul a failli. Alors, moi, je suis le pistolet. Est-ce que je peux le prendre là du coup? Charge les armes! Voilà, et là tu fais des headshots, mon gars, ça m'a piqué! Là où j'aime. On va pas essayer de t'armer un truc de ouf! Les hominidés, bordel le mec! Alors attends, je chute dans le truc en bois, tu peux pas quoi. Tout va bien quoi. Là où je suis là. Bah c'est toujours dans le champ, j'ai vu un connard derrière le. Dégage! Dégage! Mon petit Bob! J'attribue des options là. Oh, c'était beau. Cette belle pluie de Jean Bono. Je pense que cet homme a vu cette équipe. On y va. Alors, attention, là il y a une tourelle. Il faut foncer direct sur la droite. Sur le plan droit. Et le tour. Ceci dit, si t'écoutes un petit peu, donne les indications. Ouais, non, mais. Donc là, il est... Oh putain. Putain, il gueule à mort. En plus, à l'époque, hein, c'était encore, c'était vachement hype. Le fait que ça fasse des taches de sang et tout, c'était hyper bon. C'était la bonne époque où t'en prenais plein la gueule. Le Gears of War 2, la campagne, est vraiment une perfection, quoi. Vraiment. Et où la tourelle, pas de je peux même pas t'aider à le faire un peu. Pas sur un petit plan à 3 sur son cul. C'est typiquement la musique de Starship Troopers, quoi. Gauche, on arrive derrière. Starship Troopers et finalement, c'est pour être Star Wars. Oui, c'est pas faux. Non, mais... le mix est cool, il se passe bien quoi. Donc, je kiffe tellement Gears of War. Je prends la tourelle. Des rebuts. Des rebuts. Ah putain de merde, donnez-moi un autographe, Artillon, bordel de merde, là, c'est trop bien. Ah, ça, t'en pas normalement, un soir de paye. Bah, et donc, on en apprend beaucoup sur ta vie. Bien sûr, la vie n'est pas. Effectivement. Grâce à ce que des charges de 100 partout, c'est dégueulasse. Là j'en ai sorti tout sur le kilo. C'est bon. Je pense que c'est bon. Allez go. Peut-être même te faire téléporter. Oh mon dieu, en avant. Putain, par contre il a du mal à tourner à braquer un petit peu quoi. On va bientôt finir cette mission qui est fofolle. Oh les amortaux. Merde putain j'ai pas de grenade, vas-y. C'est vachement bien de cette grenade. Ah, mais non, mais je veux vraiment cette poule qui s'en sort plus. C'est où la grenade? C'est où on a besoin de moi? T'as derrière, là où il y a des. T'envoies des ressources, t'as pas. Voilà, c'est bien. Voilà. Foutu des cruises, c'est canapé cuir Ikea. Ouais! Canapé plutôt sympathique. Je sens juif mal interdit. Oh putain! Mais qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas, je sais plus, j'ai 3 heures de sommeil dans le cul, tu t'attends à quoi? Pistolet Boltoc. Et avec deux bâches, c'est un petit peu bon alors. Hein. Oh, moi j'y vois tout, oh. Je les ai. Mes petits souvenirs. Mais tourne, saloperie! Vas-y, c'est là qu'on doit aller. C'est là. J'aime bien le côté. C'est qu'il marche avec lourdeur un peu comme dans un Ghostbuster. Ah, j'avoue, quoi, c'est vraiment ça quoi. Parce qu'on trouve ça hyper cool quoi, le côté avec Gear quoi. Gear au revoir. Un beau culot, soldat. Je sais pour ton procès. C'est un bidon. Voilà, c'est tout ce que tu sauras de la backstory de Marcus Fink. Genre, bah c'était bidon au procès, bordel, je m'en fous de la justice. Mais le mec est invincible quoi. Ah mais putain j'avais pas vu qu'il était là l'autre. Je crois que c'était toi tu tournais. Non. Putain c'est quoi les trucs en face de nous? C'est les espèces de merde qui sont crachées par les espèces d'araignées pourries. Donc faut se protéger de ça. Et aussi donc tu peux les rayons glober comme ça. Je crois qu'il a mouillé sa chemise. Bah oui, tu tires pas dessus en même temps. Tu mens. Tu peux zoomer. Le problème c'est qu'il n'y a pas de rayon. C'est pas très flippant. Moi je crois qu'il y a une grosse merde très proche, mais un peu comme ça. Ouais, alors ça va bien se passer. Il y a une tourelle ici. C'est pas mieux de la prendre ici. En vrai, on ne sait plus. À qui le tour, bande de nage ? Voilà, nique-le de testostérone. Ah, mais il y a un mec là qui se fait rien en fait. C'est pas
Bon, bon. C'est moi, ils sont plus calmes. C'est nous quand ça doit être un peu là. Merde. T'es carré. On s'en va, il meurt. Bon, où sont les gens? Bah, j'allais dire, non, mais c'est con qu'il y a un gros truc qui arrive en fait. Ta munition finie, Tant que c'est aligné, il y a des missions que c'est pas aligné parce qu'il y a un mauvais temps. Je vois ce que tu veux dire. Bien reçu. On est dans la Z2 maintenant. On va arrêter. Après cette cinématique du de la folie. Je vomis à chaque fois dans ces coucous. J'ai lu dans ce couscous, moi. Ah oui, moi aussi, j'ai lu dans ce couscous. Vache. Et là, genre, il est bien révisé ton coucou. Il est bien révisé ton coucou. À coche, il y a des bluffs. Donc voilà le quatrième. Ah, qui c'est, personnage lui principal. C'est d'ailleurs le personnage principal du 4. C'est le petit Babto 3. Ouais, 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 c'est la fête. Oh, bonne voix. Où est Rojas? Rojas. Et ils ont pris ses gears. Peur personne. Ils ont tous les rouages de la guerre, quoi. Les mecs sont beaucoup trop chauds. Ah, mais les mecs sont en stress, hein. Laisse-moi deviner, je sais pas, ça pue le boss, non? Mais genre le boss vénère. Je sens l'hélicoptère qui va pas. Eh bien non, en fait, c'est, tu vas voir. Ah, voilà. T'es l'accuste! Ah, ouais, d'accord. Je sens peut-être très bien qu'on avait pas le temps. Je sens un petit peu de déficit. Non, même pas. À couvert! On nous tire dessus! Sans deck! On l'a pas remarqué, con. Fais nous contour! C'est là que tu sens que c'est vraiment la merde. Putain, c'est une mauvaise idée. Comment? Et là, mon gars, ça, c'est le général. Ah, il a un petit côté sexy, quand même. J'imagine qu'il va même finir. Je s'appelle Ram, un truc comme ça. Ah, Fanta est un peu déçu. Putain, il fait tôt. Ouais, Fanta là, il va pas faire en feu, malheureusement. Nos progrès me réjouissent. Il y a pas besoin d'un flingue en fait. Il s'en fout. Non, mais le mec a arrêté une tronçonneuse à main nue. Il y a un moment donné, c'est. Ce mec est beaucoup trop dynamique. Alors, le mec est taillé comme un golfotosaure, il sort pas avec des paires de mains. Il sort un canif, le mec. Oui. Un canif qui fait l'effet du. Enfin, qui fait l'effet du moto pour ça. Il est là, oh putain, bordel de merde, j'avais pas plané comme ça depuis Rudy Masticus 5. Oh putain de merde. On gagnera cette guerre. Un jour ou l'autre. Allez, vous récupérez Alpha et le résonateur. Courage. Ok. C'était très mal doublé, non? C'est bon ou là c'était quand même assez dégueulasse? Bah, c'est toujours moitié bidon, moitié cool. Ah non, non, mais tu ne peux que. Mais Dominique est un super personnage. Dans le 3, il lui arrive des trucs de ouf. Dans le 2 aussi. C'était assez. Benzai Live! Voilà, on va arrêter là. On va pas laisser le.